Bonjour France et bienvenue ici, c'est le 7, si c'est Bachir. That's our director. Ici c'est la nourriture, le café. Visite guidée du plateau d'Esprit Criminel aux côtés de Paget Brewster, l'une des actrices principales de la série. Esprit Criminel, 17 millions de téléspectateurs aux États-Unis chaque semaine, 8 millions en France. L'histoire, une équipe de profilers du FBI traque des tueurs en série à travers l'Amérique. Daniel Keller, 21 ans, étudiant à Benjamin Franklin en troisième année. Il a été tué la nuit dernière pendant un spring break à South Padre Island. Ici, c'est la table ronde. Nous nous asseyons tous autour et nous discutons des cas que nous allons traiter, où nous allons aller. Et ici, sur cet écran, apparaissent les photos des meurtres. La grande force des séries américaines, le budget, 60 millions de dollars dépensés par saison, des moyens auparavant réservés au cinéma, le prix à payer pour rendre la série plus vraie que nature. Vous voulez voir le jet? Allez, on va voir le jet. Clients enregistrés ou pas, il faudra tous les vérifier. Un homme qui viole des hommes. Dans ce décor en bois, par exemple, jet privé, impossible d'imaginer qu'il s'agit en fait d'une petite pièce aménagée en studio. Dans la série, nous prenons toujours un jet pour nous rendre sur les lieux des meurtres. Et la plupart des gens pensent que nous voyageons réellement à travers tous les États-Unis. Mais attendez, venez filmer ça. Regardez l'arrière de l'avion. Esprit Criminel, une série lancée en 2006 aux États-Unis sur CBS. L'objectif de la chaîne à ce moment-là, renouveler le carton des experts.